Tu peux pas sentir son bote na kombo na Yesu. Laisse que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit accordée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le soit à la favorable pour namoko namoko. Angengi selungi na ye, mboso ya moko namoko. Tu peux sin zambe merci pour apprécier ce mokolo ya lelo. Peta oyo to yeba koloba ko partager oza maloba na ye. Ça fait un bon temps. Banda tu banda ki lila ki sinabiso. Sur les sept paroles de Jésus-Christ, tu as aussi déjà grande partie. Tu as commencé à aller vers la fin. Tu as déjà les premières paroles aux cinquièmes paroles. Nangolu en Zambé, c'était le mardi. Tu as aussi la deuxième parole. Cinquième parole. Par la grâce de Dieu, Lelo, tu as aussi la sixième parole. Tu as aussi Lelo. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni. Tu as aussi la sixième parole. Après, tu as aussi la septième parole. Pour tout simba l'action sous selon Nenge, le Seigneur a koye ba na kope ça. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Ya mbona biso ko banda to bondeli pote makoki na biso e uta ke pa na ye. Seigneur Jésus, tu as reconnaissant le bosso na yo pour le souffle de vie, pour l'intelligence, pour l'être et le mouvement. Et bele bazia ngote me pata grâce yo pe si biso yango. Tu as reconnaissant. Merci parce que c'est pédé de tout partager maloba na bandeko ba na pe basali na yo ba olanda biso bisika bazwami. C'est peut-être qualité à oyo zali pamboli pona moko na moko kolanda biso ngolo no se diversel qualité à oyo nyonso ya munguna ya compréhension ya mulili eza la musiko no de Jésus Saint Esprit kumisa kombwa Yesu na katalité ya oyo tsomba mon ma consolation kimia na katalibota na nzalité ya oyo no de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. To tangi na mukanda ya Jean. Dans le Mukanda ya Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, tozu verset na yango 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit, s'il vous plaît, Jean chapitre 19 verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissa la tête, il rendit l'esprit. Sixième parole, Ezali, tout est accompli. Sixième parole, Yangwana, tout est accompli. Que le Seigneur soit loué. Oyasuka, ne Tokosimba. Septième parole, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. C'est la sixième parole. Tout est accompli. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni. Tout est accompli. Cela veut dire, Moussala Oyo, Yayaki Kosa Nase Amabele, Akoki Siango, Asili Siango, Yango le but, tout est accompli. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est de l'autre côté où le Seigneur accomplit sa tête. Donc, il y a un aspect malembe, kusimba aspect par aspect. Ndenge le Seigneur a koyeba na kotambu sabiso. Tozana no aspect ya liboso. Tout est accompli. Et loko nini oyo le Seigneur a ebaki na ko accomplir. Tozwi mukanda ya Hébreu chapitre 10. Tobana verset 5. C'est pourquoi Christ en entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps qui n'a agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Koloyesu, abax explication, nakatia lectiro. Awa, tout le monde a le Seigneur, azolo baker, osala kinga inzoto pour faire ta volonté. C'est pour dire que volonté. Yanzambe nde le Seigneur ayaki po asala. Tondi maraki na ancienne alliance, muto atikala kusala volonté Nzambe azalate. Ancienne alliance mobimba. Muto asala volonté Nzambe azalate. Voilà pourquoi le Seigneur était venu pour accomplir la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Il était venu pour accomplir la volonté de Dieu.
Posons-nous maintenant la question, volonté en Zambé Zanin. Volonté en Zambé Zalakinin. Tozolo Baboué, dans la loi, dans l'ancienne alliance, la volonté de Dieu, c'était la loi. C'est pour dire que la loi, Ndenge Zalakiwana, Yangon Zalaki volonté en Zambé. Mais Moutou Oya Tikalara Okokisa Mobeko, Atikala Kozalate. Moutarousa Mobeko na totalité na Yango. Atikalaka kozalate. Pour ceux qui m'ont dit que je volonté na yango, ne le Seigneur alinga ki ayate. Mais tant que tozo mona le Seigneur azoya, c'est parce que dans la loi, mutu moko atikala kokisa mobeko azalakate. Voilà pourquoi ye azoya enfin d'accomplir la loi. Que le Seigneur nous bénisse. Jean chapitre 1 verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Bible Zolo Baboué. Namukanda Jean chapitre 1, verset 17. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ancienne alliance, Mobimbandeng et Zalagawana, et Zalaka période, il y a Mobeko. Ancienne alliance, Mobimba. Et Zalaka période, il y a Mobeko. Que le Seigneur nous bénisse. Et Zalaka période, il y a Mobeko. Que Dieu soit loué. Période à Mobeko, c'est pour dire que Moutouma Kwatekala Kokisangwa Zalakite. Mais quand le Seigneur vient, Azoya pour accomplir la loi. Que le Seigneur nous bénisse. Yoka Nenge le Seigneur Yemoko Azoloba Namukanda Yalike, chapitre 24, verset 44. Verset 44, le Seigneur Azoloba voué. Puis leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est pour dire que tant que Azolo Bake, tout est accompli. Il avait accompli la loi, les prophètes et les psaumes à la croix. Tant que tout le monde a le Seigneur, Azolo Bake, tout est accompli. C'est pour dire que le Seigneur avait accompli la loi, les prophètes et les psaumes. Oyo mutu azalaki na makoki ya kuaccomplir te, mais ye aibi na kuaccomplir ango. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ton wazolo ba ke tout est accompli, c'est pour dire que le Seigneur avait accompli la loi, les prophètes et les psaumes dans sa chair. Tant que nzamba bazo pesa mobeko na montagne ya Sinaï, okore marqué. Peuple bandimaki ke bakosalela yango. Peuple bandimaki bakosalela yango, mais batikala kosalela yango te. Pour remarquer, tant Moïse a rapporté maloba nyonso o nzamba apesaki, peuple bandimi wabi ke tokosalela yango ndenge nzamba lobi. Mais peuple batikala kosalela yango te, batikala kokoka yango te. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous disons ceci que quand Dieu avait donné la loi, apesaka mobeko nde pour na muntu moko, c'était pour Christ. Apesa ngonde pona Christ. Parce que tant on apesa yango bongo, apesa ka yango pona Christ. Oyende o sengela ki aya na kokukisa yango. Que le Seigneur nous bénisse. Luc chapitre 13 verset 32. Luc chapitre 13 na vani na verset 31 à 33. Ce même jour, quelques pharisiens vers lui dire, va-t'en, par d'ici car Hérode veut te tuer. Verset 32. Il est répondu, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Alors, vous voyez, nous avons miracle de guérison de l'eau, et le troisième jour, nous avons ça. C'est pour dire que le Seigneur Jésus devait travailler pendant combien de jours? Pendant 3 jours. Il devait travailler pendant 3 jours. Or, Jésus, dans le ministère, a travaillé pendant 3 ans. Mais, awa, Azolo ba que je chasse les démons aujourd'hui, demain, et après demain, na kosili ça. C'est pour dire que, on a pensé à Jésus, un jour égale une année, 2 jours, 2 ans, 3 jours, 3 ans. Pourtant, Azolo ba que je chasse les démons aujourd'hui, démons, et demain, et après demain, na kosili ça. C'est pour dire que le Seigneur devait travailler pendant 3 jours, ou est égale il y a 3 ans. Que le Seigneur bénisse. Ah, ton philosophe était, hein? Acte philosophique, donc 300 égale à 3 jours,
3 jours égale à 3 ans. Que le Seigneur nous bénisse. Et l'ingi kolobake, le Seigneur devait travailler pendant 3 jours. Oh, les 3 jours, c'est ça, les 3 ans. Cela veut dire tout simplement les 3 ans, tous les 3 jours, et tel ça tout simplement que le Seigneur devait accomplir la loi, premier jour, les prophètes, deuxième jour, et les psaumes, troisième jour. Tout est accompli. Cela veut dire qu'il avait accompli le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Donc, à Kokisi, la loi, le prophète, le psaume, n'a pas été vie et paix, ça. Que le Seigneur nous bénisse. Tokéi, Namukanda, ya Exode. Toza Namukanda, Exode. Remarquez, et le Koza Kuleka, Namukanda, ya Exode. Toza Namukanda, ya Exode. Chapitre 15. Tobandi, na verset 23. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Toebi ke ba pensée eza ebele nakata esika oto tangi ne tozo ba pensée moko awa tozomo na peuple liboso ya mai ya Mara. Mais mai ya Mara eza laki bololo peuple banaye kwa komela mai wana te peuple zo kwa komela mai wana te soko sala ke Moïse akende ko bondela pa Nzambe ta Moïse abondeli Nzambe a indiqué ye. La Bible est Bible précisé bien. Il dit que l'Éternel lui indiqua un bois à l'accès qui était moko, qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est pour dire que nous étions là et continuons à kata mai emeli amertime mai be mai komi bololo mai oyo bazalaki na makoki akomela te liboso à cause à bololo qui na kati. Mais tant nous étions sali musala bololo longwe mai komi douce bakoki komela mai. Que le Seigneur soit béni. Cette eau ici représente la loi de Moïse. Bonsoir. Cette eau ici représente la loi de Moïse. Or mobeko ya Mose tant nzamba pesa yango ezalaka dire muta kokana kokokisa yango azalaki te amerti mwana. Et autant sa dureté à Mobeko, et autant sa makambi à Makasi, et autant sa kata Mobeko, moutoko koksa Mobeko, azala kite. Que le Seigneur nous bénisse. Azala kite, yango komona na mukanda Ezekiel, chapitre 20, verset 25, Nzambazo loba. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ils ne pouvaient vivre. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur nous bénisse. Ajoutez ça que Mobeko, et ça là qui dit Mobeko, mutoko ko mette on a pratique, et ça là qui te donne, yemoko le Seigneur a zolo ba ke, et ça là qui malamte. Alobi boye, ce n'était pas bon. Ba précepte n'a ordonnance wana. Donc mutoko no bi karango te, tozo zwa bloko wana, ba direte wana, to méchanceté wana, loko la l'amertume. Oyo ezalaki nakati ya Mobeko. Donc tango zo mona peuple azoko ka komela yango te tolobaki ke komela ezape ko kokisa volonté ya Nzambe. C'est pour dire que tango zo mona peuple azoko ka komela yango te, c'est pour dire que le peuple bazaki na makoki ako pratiquer yango te. Personne ne pouvait pratiquer la loi pendant ndenge Nzambe sengaki azalaki te. Pour ceux qui mutako pratiquer yango na mobimba azalaki, le Seigneur n'allait pas venir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons pratiquer en oise à la qui pensait dans mon bimandé le Seigneur à pouvoir accomplir en oise à la qui te. Ok. Nakati quoi kolela ya peuple, ne Moïse a kobonde la. Ne le Seigneur va lui indiquer un bois. Le Seigneur va lui indiquer un bois
po abwa kanakacha mai emela amertime wana que le Seigneur bénisse tangu bazolo bake l'Éternel lui indiqua les bois c'est pour dire que banzete zalaki mais ezalaki na banzete nyoso te nde oyo zikina makoki ya kolongola amertime ezalaki nde na nzete moko oyo nzambe singelaki a indiqué c'est pour dire que nzambaza ko indiqué avec précision ba komi kombo ya nzete wana te mais nzamba indika ki Moïse si Moïse zwa nzete tel boka na kata mai donc nzamba indiqué cela veut dire il y avait la précision nous disons que ba nzete zalaki ebele mais nzete oyo ezalaki na makoki ya kolongola bololo ezaka ka moko ba nzete wana za ebele te ezaka moko siko nzete ngwa zanani c'est ça le problème parce que ton dimaka ke ba prophète nyonso bazalaka pe ba nzete tous les prophètes bazalaka pe ba nzete soko ke na mkanda ya Luc Matthieu chapitre 7 verset 15 omona kuna nzambe azo comparer Musa ko lina nzete mbuma na ye nde liteya na ye soki oke na mkanda ya Jérémie chapitre 11 verset 19 kuna omona bilo lobi j'étais comme un agneau familier comme un à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Ici, Jérémie se compare à un arbre. C'est pour dire qu'un arbre, c'est un prophète, fruit à arbre. Les alités à Moussakoli. Que le Seigneur bénisse. On te dit que. Banzete kuka kina huko za lebele menzambe aporta ki regal kola indika ki nzete se pou li kezana nzete nyo sote ndeza la ki na makoki ya kolongo la mertime ya kontro bi ke les arbres comme les prophètes se pou di ke tous les prophètes bazala ki na makoki ya kolongo la mertime te bazala ki na makoki ya kolongo sa mobe kote ya na nzete presi ndeza la ki na makoki ya kolongo la mertime voilà pourquoi kolwana na mat, na montana transfiguration tozomo na trois nzete Élie comme prophète c'est un arbre Moïse comme prophète c'est un arbre Jésus comme prophète c'est un arbre mais maintenant tozomo na Pierre Jean na Jacques comme peuple de bosolo bango tomoni ba nzete Élie Moïse Jésus mais Dieu devait indiquer moni Dieu devait indiquer l'arbre oya kolongo la mertime Dieu devait indiquer c'est pour dire que l'arbre qui devait enlever la mertime ce n'était pas Moïse ce n'était pas Élie mais l'arbre qui devait enlever la mertime c'était l'arbre du milieu c'est Jésus moni l'arbre qui devait donc nzamba za ko indiquer a indiqué bango rabira bango toko voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection c'est pour dire que le véritable bois oyo zo longo la mertime c'est le Seigneur Jésus gloire soit rendue à Dieu yende nzete oyo alongo la mertime donc l'humanité tout entière tozo loba pour l'humanité tout entière ndenge tozala ka botola so ba nzete vous remarquez le Seigneur zo bik sa vegle moko atieye so inamisu ayebisi zo mona ndenge abina zo mona batu melokola banzete azo mona batu kwa banzete ma vérité c'était les hommes tanga osimba na second touché ndako ko mona clair soki na apologie ya Jotam na Jean chapitre 9 kuna koloba ke les arbres étaient partis pour rendre un roi en vérité banzete wana banda koloba na c'est tout un peuple que le Seigneur nous bénisse c'est pour dire que l'humanité aussi comme des arbres il n'avait qu'un seul arbre ou ezalaki na makoki ya kumema amertime ya kolongola amertime cet arbre là c'est le Seigneur Jésus-Christ oh gloire à Dieu yango mukola yaki azolo baboye bana basa Jérusalem bole la pona ngai te bole la pona bino na bana bino poso kili kambwe komeli ngai nzete mobesu bongo bino nzete kokaka nous avons compris que le Seigneur c'est un arbre vert ou esengela kaya oh gloire à Dieu pour nous lever la mertime. Gloire à Dieu. Mais qui est Moïse? Qui est Moïse? Pour expliquer déjà, amertime wana,
lokola dignité ya mobeko makam ya makasi oya mobeko mto kuna ukokisa te to expliquer nzete comme Christ mais ce qui est Moïse Moïse toujours expliquer Moïse na ba aspect mi balé Moïse liboso kobosa na te que Moïse azalaki un prophète. Moïse est un prophète. Et là, quand je dis que Moïse est un prophète, je crois qu'on peut remarquer Mokolo Oyo Mariam Aïebaka nako na Aaron Aïebaka nako critiquer Oye Zalaka Moïse Nzambe akosiliki la bango. Omoni Nazui, Nombre chapitre 12 verset 6 Nombre 12 6 Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Écriture au Tali Sarake, Moïse Azalaki, un prophète, Oyo, Kesanaki Naba prophète Moussous. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. To bendi écriture Moussousou, Deutéronome chapitre 34, verset 10. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a pris pari en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. C'est pour dire que Moïse, c'est un prophète. Il représente les prophètes. Ce que tant au moni, a merti mes alli, mais nous avons Moïse, nous avons mai. Moïse ici représente tous les prophètes de l'ancienne alliance. Oyo, Nzambe ayebaki ko annoncer les sali na nzela na bango. Yango tondi make tous les prophètes parobelaka nzete moko. Ezala Jérémie, alobela nzete moko. Nzetango c'est Jésus. Ezala Isaïe, alobela nzete moko. Nzetango c'est Jésus. Yango tondi que tous les prophètes de l'ancienne alliance, parce que Moïse comme prophète, il représente tous les prophètes de l'ancienne alliance. C'est pour que tous les prophètes de l'ancienne alliance, balobela kaka nzete moko, balobela de nzete te. Que la Seigneur bénisse. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie, or ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, pour le but que, prophète Nyon sur la Seine Alliance, c'est pour dire que quand Dieu parlait dans les prophètes, Dieu était en train d'indiquer les bois qui devaient venir pour enlever l'amertume. Cela veut dire pour accomplir la loi. Les prophètes et les psaumes, nous avons dit qu'on a dit Tabasakouli, que le Seigneur bénisse. Tu expliquer dans Moïse, un, comme prophète, il représente tous les prophètes. Deux, qui est Moïse? Moïse ne représente pas seulement les prophètes, mais Moïse a représenté Kapé Mobeko. Moïse a représenté Kaba prophète, a représenté Kapé Mobeko. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. A représenté Kapé Mobeko. Ok. Topé sa écriture aux hôtels de Moïse a représenté Kapé Mobeko. Deux Corinthiens chapitre 3, verset 15. Deux Corinthiens 3, 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ah, le Seigneur, Paul, frère Paul, a dit que si le temps est à Moïse, voile est à Moïse. Or, tant que frère Paul a zolo ba, Moïse a koufa déjà kala. Mais Moïse ba otanga awa, c'est la loi, c'est la lettre. Ouais? C'est la loi, c'est la lettre. Wana, premier témoin. Deuxième témoin. Matthieu chapitre 23, verset 1 à 2. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. La chair de Moïse, c'est l'enseignement de Moïse. Nous avons compris, Moïse a représenté les prophètes, mais Moïse nous parle aussi de la loi. Vous voyez, nous parle, c'est pour dire que la loi, il y a des gens qui ont indiqué, nous étions. Tant que nous avons dit, nous avons indiqué, nous étions, où est-ce la mertime, c'est pour dire que dans la loi, nous avons déjà indiqué, nous étions. Oyo akoyaka pona kolongola amertime na kata via bato. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu.
Maintenant, Moïse a été à boire qui n'a pas de maï. Maï est là qui n'a mertime. Mais tant que nous étions à écouter la carte à maï, nous étions ézoui à mertime, cela est la carte à maï, maï comme il douce. Nous avons compris que ces bois, ils ont la douceur. Ils ont bois moko au douceur, ils ont la carte à yango. Yende a memi a mertime afin de donner la douceur que le Seigneur bénisse. Comme vous en êtes, l'Éternel n'a pas besoin de ça. Le Seigneur qui avait accompli la loi, les prophètes et les psaumes. Maï ou te expliquer encore Mobeko Bololoana, te expliquer encore la dureté de la loi. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, le Seigneur, Seigneur, qui a quoi accomplir à la croix. Mais, tant qu'on va accomplir, nous devons avoir douceur et écouter les sama. Nous devons écrire moko pour écouter les sources et locaux. Nous devons mukanda ya Matthieu chapitre 11, verset 29. Le Seigneur a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos sur vos âmes. Omoni, c'est pour dire que le Seigneur Jésus, c'est un arbre doux. Azanzete, c'est un arbre doux. Matthieu chapitre 11, verset 29. Abi, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux. Or, le Seigneur, comme un bois, c'est un bois doux. Que le Seigneur bénisse, c'est un arbre doux. Donc, contraire à Mobeko. Que le Seigneur nous bénisse. Or, tu es que nous étions au Azalaka doux. Ce qui toque na mukanda ya juge. Chapitre 9. On peut remarquer. Na verset na yango 10. Na verset na yango 10. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, rien ne serait jamais douceur. Et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. Gloire à Dieu. Tout le monde dit que le Seigneur vient dans un état figuier. C'est pour dire que nous étions figuiers dans la douceur. Quand le Seigneur marchait sur la terre, il était le bois ou l'arbre du figuier. Douceur, il allait katinae. Or, la douceur qui était dans le Seigneur, c'est la grâce. Que Dieu nous bénisse. Douceur, où il allait katia figuier. Qui est le Seigneur, c'est la grâce. Gloire à Dieu. Yango tangwazo matana ekulusu ne azo komela amerti mignon sozo kota katinae azo manifester douceur azale katinae. Tozo lobake to expliquer mayuana comme la loi. Oyo mutoko kaki na komela yango te. C'est ça la loi, ozala ki dire. Mais quand le Seigneur monte à la croix de Golgotha, il accomplit la loi na katanzoto nae. A longoli direte, méchanceté no solongwe, ne lelo maï et komi douce. C'est ça la grâce. Otokoki komi la lelo, avec toute facilité, parce que le bois Jésus, ayabaki na komela amerti mignon son ekoulous ya mobeko, il avait accompli la loi dans sa chair. Ne lelo, tout le monde a douceur. Que le Seigneur bénisse. Car mobeko wana, tangwa kokisi yango, ne koulousu, de abongoli yango lelo ekomi douceur. Que le Seigneur nous bénisse, lelo ekomi douceur. Or la douceur c'est l'état de la grâce. Oyo lelo tout en a facilité à komela mai, cela veut dire nous avons la facilité d'accomplir la volonté de Dieu car c'est l'état de la grâce parce que le Seigneur à la croix de Golgotha ayebaki na komela amerti mignon, cela veut dire il avait accompli la loi, les prophètes et les psaumes, makambo ya makasi nyonso ki na kati ya kokisaki yango nda pesi biso douceur nde tozomela. L'eau douce aujourd'hui, c'est l'enseignement de la grâce. L'eau douce aujourd'hui, c'est l'évangile éternel, la prédication de la croix. Yango toza komela lelo oyo eza kopesa biso makasi ya kotambola. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Moïse lelo aza image ya motei. Moïse lelo aza image ya motei, aza image ya ministre. Mai ya bololo ezo talisa pe makambi ya makasi oyo kokutelema liboso ya peuple.
parce que le peuple baki na posa ya komela mai me mai yango ezalaki bololo bakokai komela yango te sikoyo Moïse lokola motei il faut azwa nzete abwaka na kati ya mai nde nzete wana nda ko faire face na bololo akumisa bololo na kati ya nzete wana atozwa Moïse lokola motei oyo tangu peuple azana probleme Moïse roya na solution or solution Moïse roya na ngo eza le bois or le bois c'est la prédication na nzela litea o Moïse roya na ngo litea o Moïse akotea motea kotea nde ekobenda ba problème ekosilisa ba passe c'est pour dire que quand quelqu'un vient à l'église ana makamba bolo na kata mtema naye ana ba passe na kata mtema naye il faut maintenant le prédicateur apesa ye nzete or nzete au prédicateur apesa ye c'est la prédication c'est la prédication c'est pour dire que litea tangu yaka litea ezaka na na objectif ya kolongola amertume na kati ya mutema c'est le business litea ezaka na makoki ya kolongola amertume na kati ya mutema ya mutu gloire soit rendue à Dieu c'est pour dire que un bon prédicateur quand il s'élève peuple koza na mara ngono na bike mara lelo maya bololo ya makambo difficile makama makasi au peuple azoko kate peuple azoko se retrouver te mais quand peuple vient dans la présence de Dieu Moïse lelo comme prédicateur il faut atombo la nzete pas n'importe quelle nzete la prédication c'est pour dire que lorsque la prédication est prêchée prédication tango tombo maka ezo ndepo emela ba souci na kata mitema ya bato eza po longola makama makas na kata mitema ya bato en fait que peuple azo sou makoki ya kotambola nous croyons que la prédication c'est le véritable bois oyo tango yaka emela ka ba mertim emela ka ba pasi na kata na mona mtu moko yake azala ki abati mais tango ya église ayo kalite elite on est réconforté et puis sou makasa kotambola omoni mutabanda kokokate mais quand la prédication est prêchée la prédication artango etombwami ezo mela makambo makasi vous voyez quand la prédication est prêchée dans cette prédication là il y a la puissance ata mutu azaki na strict azo botate ata mutu aluka musala zo zwate ata mutu ana ba passe ndenge nini mais quand la prédication est élevée n'oubliez pas la prédication c'est tout un homme c'est Jésus quand la prédication est élevée quand la prédication est prêchée cette prédication ndenge zo te ya mawana ezo longola ba mertime na kata via batu ndoko remarquer quand la prédication est prêchée si le prédicateur est revêtu de l'esprit vous remarquez même na katalité ya milim mabezo bima na katalité ya bachene zo kweya na katalité ya bakadene zo fungwama na katalité ya ba miracle zo salama na katalité ya batwalo ba mino kwa sika na katalité ya nguya nzambe zo talisama parce que la prédication c'est ça le bois ana zuna Moïse na lokola motei na jusqu'o nzete wana lokola litea une prédication prêchée avec puissance une prédication prêchée avec la présence de Dieu tango te ya maka et longo la capacité na kata via bato mona bida muto ya ki na souci tango yoki lite ya sambeli abusa ni makambwana azoni na ndako tango azonga na ndako mona penda pe nzambe na nzela lite ya pe na lusambo basambela ka fongoli bikuke nous croyons que Dieu existe et que le Seigneur nous bénisse tozo bimisa nzete wana lokola lite ya tumisiwa na kwa litea tozala mukanda proverbe chapitre 31 verset 6 à 7 proverbe 31 verset 6 à 7 donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines c'est pour dire que muto yo ana pasi na kata mutema muto alingi akufa ana pasi na kata mutema Fuboka matam liquer forte bopesa e boka matam masanga bopesa e tango amela masanga wana kati ya kolangwa wana langwe abusa ni passe na e abusa ni pauvreté na e merci Seigneur Jésus Christ c'est pour dire que les vins tango kota kana kati ya mutema ya mutu ezan objectif ya ko faire oublier mutu ba peine azalaki nango donc c'est pour dire que ezan objectif ya ko oublier mutu amertume
oyo muto azalaki na yango nde toroba ke leve aujourd'hui. C'est ça l'enseignement, c'est ça la prédication de la croix, c'est ça l'évangile éternel. Oyo tango muto azana pasi a une église toté évangile éternel muto langwe muto yokilitea muta langwe a bosa ni pasi wana mbala moko. C'est pour dire que quand quelqu'un a meli masanga tango masanga kotaka na kati ya muto et bosa ni saka muto pasi. C'est pour dire que quand le vin entre dans la vie d'un homme, le vin longola kamertim et longola kapasi. Or le vin que nous disons c'est l'enseignement ya masanga ya nzoto boite. Le vin que nous disons c'est ça l'enseignement, c'est ça la prédication. Quand la prédication est prêchée, l'objectif de la prédication est de longo la mutu passe. Nous avons remarqué tant que l'été était à Maka, à ta mutu, mboule se poussanie, à balina nuté, mais tant que l'oiseau qualité le tezote à ma, et au longo la désespoir, et au pèse à espoir. À ta zana passe, à ta moussalate, à ta zuna nuté, mais quand la prédication est prêchée, ils ont longo la moutou passe, ils ont bossa de sa moutou passe, ils ont pèse à moutou espoir. Oui, c'est ça la prédication. Et puis, quel type de prédication? La Bible dit que Moïse a kendaki kobon de la penzamba la kisa ki enzete. C'est pour dire qu'un prédicateur avant de venir prêcher, il doit prier afin que Dieu puisse lui donner les messages. Plusieurs prédicateurs, les lobes appellent ça, en tout cas, connaissance, mais appellent ça message. Au moins, on a dit, bon, on a été aussi les sept sauts. On a été aussi l'enlèvement. Bon, on a été aussi témoin. Ce que témoin, est-ce que tout n'a qu'un zambé? Est-ce qu'un zambé n'a péché au témoin? La Bible me dit que le serviteur fidèle est celui qui donne la nourriture au temps opportun. Nous avons tous ensemble, peuple n'a peuple dans un temps où il a traversé ça. Moni, tam sous peuple oyo tam a traversé et senga bate ya bango lèvement. Peuple wana tam a traversé et senga bate ya ye soit la repentance. Peuple wana et senga bate ya soit les données. Peuple oyo ba senga bate ya boy. Mais mon teyo mona ba pese cher, il n'a même pas le temps de prier, il n'a même pas le temps d'écouter Dieu. Azo comme il louke la ba chapitre dans ta Bible. Na ote ya bango boy, na ote ya bango boy. Non, peuple ba zala rabi sauté. Peuple basalaga nzambe. Voilà pourquoi quand un prédicateur veut prêcher, il doit prier afin que le Seigneur puisse lui parler. Kolonate ya nini. Peuple zangaite kolonate ya nini. Totera par expérience te. Ou prêcher par expérience te. Parce que mukona mukolo nzambe asalaka na ndenge na ye. Lelo kokoya nzamba lobite ya boye. Lobe kokoya nzamba lobite ya boye. Lobe kokoya nzamba lobite ya boye. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous devons écouter Dieu avant de prier. Que le Seigneur nous bénisse. Na ko changer pe langage pour na ko tel sape Moïse Joana lokola yo nangai. Na changer langage pour na tel sape Moïse pe ana longoli Moïse lokola motei na zui penda Moïse lokola mondimi lokola yo nangai. Na zui mara a lokola makambo makasu etelemi na kata vie. C'est pour dire que nous devons consulter Dieu afin que Dieu puisse nous parler. Oui, Dieu parle par la prédication. Dieu parle aussi par les dons spirituels. Dieu parle aussi par les visions, par les songes, par la voix audible. Nzamba lobaka. C'est pour dire que awa Moïse qui n'est qu'au bon de la Nzamba et bisé salaboué, 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 à saline Nzamba et bisakié. Peuple de Dieu, nous devons prier afin que le Seigneur afungo la biso miso molimo, afungo la biso mateo ya molimo. Lorsque un problème est koya, au côté penza prier au sambeli, nous avons penza ebisio que awa salaboye, awa salaboye. Dieu peut te dire que ozana trois jours ya prière, kangama na katanda ko bimate, wanza ya direction divine nzambe. Dieu peut te dire que sala trois jours ko sukola tete. Dieu peut te dire que sala quatre jours, sala ka bondela. La mukaka soit na iner soit bandaka prier na 22h ti RTL omoni. Dieu peut te dire voilà problème ko telemelio o kepe ko consulter volontaire nzambe o kepe ko bonde la biso tondi makenzamba lobaka tilelo. Que la Seigneur bénisse. Dieu parle jusqu'aujourd'hui nzamba lobaka. Voilà pourquoi nous devons chercher aussi l'orientation. Et na makam soit telemi na kata vie, ça demande l'orientation. Il faut que Dieu puisse te parler na problème wana afin que on le kango na kata précision. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Mais ceux qui
Nzambe afongola misute afongola matoite ton pasteur est là busolola naye abonde la pona yo na kat église ezape na ba frère na ba sœur o nzambe afongola bango misuna matoi bayokaka okokipe ko consulter nzambe o solona pasteur pasteur a solona bango ba super requête na yo ba bonde li pona yo et puis Dieu te parlera. Que le Seigneur le bénisse. Oyo kanzambe na kata vie est très utile. Ah, nazolo banako kanzambe na la prédication de mikoko kanzambe pendant en particulier boye que Dieu te parle. Pour nazoye ba quelque part David problème que comme la kaye abanda koye bate asala nini asala nini. Akamati mama na na papa na ke ko pese pa roi moko bango pa roi moko. Ayabisi ba roi wana bozulanga mama na papa bo bombelanga bango na bondela nanu. Naye basuki nzamba linga lobelanga nini, qu'est-ce que Dieu veut me dire? C'est pour dire que David avait pris le temps de prier, de chercher Dieu, de consulter Dieu, afin que Dieu puisse lui parler. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne suis pas contre la connaissance. Naza contre la connaissance. La connaissance est la promesse du temps de la fin. La Bible dit que la connaissance augmentera. Mais tobo sanate que nous devons aussi chercher d'autres orientations particulières auprès de Dieu, afin que Dieu puisse nous parler. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, bolimbi sangai o ekoza la opinion, peut-être sa opinion hein, na imposé mututé, ekoza la opinion pour nangai na imposé mututé. Je suis contre bataille o barté yaka o baloba ke na libala batu na ka volonté nzambe té. En tout cas, pardonnez-moi, je suis contre ce prédicateur. Je suis contre ce prédicateur. Moi, selon la connaissance oyo ndé na le bien s'il vous plaît. Attention. Nous devons consulter Dieu. Prends le temps de prier. Quand un frère veut te proposer, quand tu veux proposer au monde une sœur, prends aussi le temps de prier. Que ton père puisse te parler. Wazanzambe. Okutana ministre, ministre, pas tant que vous avez un sambe là. Afin que Dieu puisse vous parler. Pour nous amener à Ebaka, l'obia batu. Et belé abato batéalité à Wana, le loba divorça. Et bien là, bato batia lité, on a qui batou na volonté nzambe te, babala bandoki, alamki na butu, avant le kolambe, toujours banzambe na sala onin. Parce que tu t'es engagé sans consulter Dieu. Nous devons consulter Dieu. Voilà pourquoi nous devons cultiver beaucoup plus la vie de prière, la vie de sacrifice. Na kata vie de prière, na kata vie de sacrifice. Nzamba au fongolo misu, nzamba au fongolo matoi, au kokoma na mesure quand tu pries, Dieu te parle. Au commun à mesure, quand tu pries, Dieu te montre quelque chose parce que Dieu est ton Père. Nzamba za tata na yo. Moi, na nyonso, tant que pousse na kalibosso, nzambe, nzamba fongola ka emisu. Prends le temps de prier. Prends le temps de se sacrifier. Na katia semaine, luko za gana ba jour de prière, ou ya ko sambe la. Eko fongolo misu, eko sala ke nzambe akoma ko solora na yo, akoma ko revele yo, ba makambo. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Ce qui me tourne à Ezali, numéro 9 Ezali, plus 243 89 860 88 75. Plus 243 99 88 77 333. Ce qui me tourne à Ezali, vous tournez bien sur le numéro 1. Tokoyeba nako répondre pour nako partager le Lobananzambe. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.